silence est une meilleure arme quand on n'a rien à dire. Mais lui, son silence, il est très significatif. Voulez-vous savoir? Suivez-moi. Bonjour, Guy Roger est là. Aujourd'hui est une émission surprise pour l'artiste. Toc, toc. Oui. Y a quelqu'un? Oui. Ah. Surprise! Comment va? Ça va bien, oui, ça va. À la place. Vous nous avez suivis. Et oui, nous sommes bel et bien chez le chantre Guy Roger à l'état civil. Dia Yao Guy Roger. Bonjour et bienvenue à votre émission préférée. Aujourd'hui, nous sommes avec le chantre, je vous avais bien dit. Il est là, il est avec nous. Et comme moi, je suis affairée à la matinale, il n'y a pas que les studios, mais il y a aussi les affairages. Pour s'affairer, nous allons revenir juste après ce clip à Moudjasso. Amuja sobe kambu nyamie Nyamie mame suba be suba Befabe sanu ninge mokloa befaba Amuja sobe kambu nyamie Amuja sobe kambu nyamie Anya makretye mwe amwe kambu nyamie Amuja sobe kambu nyamie Nyamie mame suba be suba Anya mamu, amu jasone kambu nyamie. Amu jasobe kambu nyamie. Nyamie mame suba be suba. Befa be sanu ninge mukla befaba. Amu jasobe kambu nyamie. Amu jasobe kambu nyamie. Nous voilà de retour après ce beau clip Amu Jaso de Guy Roger. Bonjour Guy Roger. Bonjour Roger. Comment allez-vous? Ça va bien. Oui. Ça a été une surprise, hein? On ne vous a même pas prévenu. Vraiment, vraiment. Mais la surprise est de taille. C'est ça. Merci. Aussi la matinale. Nous avons vu quelque part à Nyongon, à Yopougon Nyongon, des affiches. J'aime même arracher cette affiche pour venir vérifier chez vous. Et là, je vois une belle photo de vous avec une tenue traditionnelle. Et je vois Guy Roger en concert live à la paroisse Saint-Pierre de Nyongon. Oui. Effectivement, il y aura un grand concert le 20 mars, précisément le jour de la fête des rameaux. Et j'ai prévu ce concert pour une action de grâce, de prière, d'adoration et de témoignage pour tous mes fans qui n'ont jamais cessé de me soutenir. Donc, ce concert aura bien lieu le dimanche 20 mars. 20 mars. À Saint-Pierre. Pourquoi le dimanche 20 mars, le jour de la rameau? Parce que vous voulez aussi célébrer Jésus-Christ qui est sorti des monts d'Olivier, qui vient, qui rentre à Jérusalem tout triomphant. Oui, qui fait son entrée triomphale à Jérusalem. À Jérusalem. Donc j'ai choisi cette date-là pour ensemble vivre encore cette. Je veux dire, vivre encore. C'est fait avec tous mes frères et sœurs qui ne cessent de louer Dieu. Et je pense que ce jour est très bien choisi pour qu'ensemble puissions tous entrer à Jérusalem avec le Christ pour la semaine sainte qui va suivre. Okay. Concernant l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem, moi particulièrement j'aime une chanson. Un jour vous avez entonné cette chanson au Palais de la Culture. J'aimerais que Guy Roger puisse chanter pour cette chanson des rameaux que tout le monde connaît. Sois béni, toi qui viens, tout rayonne de ta bonté. Hosanna, au plus haut des cieux. C'est bon? C'est bon, bravo. Ok, revenons maintenant à l'événement qui m'attire, qui m'a attiré plus ou moins vers vous. L'affiche, c'est ça? C'est oui. Vous Guy Roger, oui, c'est pas une contrefaçon, on ne sait jamais. D'accord. Ok, je vois Guy Roger en concert d'Action de Grâce
à Saint-Pierre et de témoignage, d'adoration et de témoignage. Pourquoi choisir d'action de grâce, d'adoration et de témoignage? Bon, d'abord, c'est l'acte 3 que je suis en train de préparer. J'ai fait l'acte 1, l'acte 2 et maintenant, nous sommes à la troisième phase, comme on le dit. Pourquoi un conseil d'action de grâce? Dans la vie de tout un chacun, le Seigneur a toujours fait des merveilles. Et je pense que étant un être humain que le Seigneur a créé à son image, il faut marquer un temps pour pouvoir dire merci à Dieu. Et le temps d'adoration, il faut quand même permettre au peuple de Dieu de toujours prier, lever la voix vers notre Dieu qui ne cesse de nous bénir pour lui dire merci, de lui exprimer sa reconnaissance. Et l'action, comme on appelle le témoignage, le Seigneur a fait beaucoup de choses dans notre vie. Et ce jour-là, il aura tellement de témoignages, ce que chacun va dire. Au moins quelques-uns vont parler de la grandeur de Dieu. Ce que Dieu a fait pour eux. Voilà. Donc voilà pourquoi est-ce qu'il a intitulé ce conseil, conseil d'action de grâce, de prière, d'adoration, de témoignage. D'accord. Mmh. Moi, en tout cas, pour la deuxième phase, j'ai beaucoup adoré. J'ai beaucoup adoré. Il y avait plein de miracles. Le Seigneur s'est manifesté. Je suis un témoin vivant. Voilà, nous allons revenir encore sur le même concert. J'ai remarqué que Guy Roger aime beaucoup parler d'action de grâce. Sa vie n'est que action de grâce, action de grâce. Moi aussi, Dieu il fait beaucoup de choses pour moi. Mais pourquoi tout le temps Guy Roger, action de grâce? Comme je l'ai dit, le Seigneur est bon pour tout et chacun. Et ce qu'il a fait pour Pierre, il le fait aussi pour moi. Et ce qu'il fait pour moi, il le fait aussi pour cela pour tout et chacun. Donc pourquoi ne pas marquer un temps pour lui dire merci? Je ne savais pas qu'un jour j'allais être le dire Dieu que tout le monde adore aujourd'hui, que tout le monde aime beaucoup. Il le dit parce que le Seigneur m'a choisi. Il m'a donné cette grâce de pouvoir le glorifier. Il m'a donné cette grâce de parler de lui à travers la louange. Il m'a donné cette grâce de le faire connaître aussi dans les milieux où il n'est pas connu. C'est vrai, aujourd'hui notre monde, il le dit, il y a tellement d'églises que... Il y a tellement de païens aussi qui ne connaissent pas encore notre Dieu que nous adorons. Donc à travers la louange, à travers la voix que Dieu nous a donnée, nous les chantons. On permet quand même au peuple de Dieu, ou même à ceux qui ne croient pas encore, de chercher à comprendre pourquoi est-ce qu'on chante Dieu. Parce que Dieu il est beaucoup dans notre vie. Il fait beaucoup. Même celui qui ne croit pas en Dieu, Dieu même est dans sa vie aussi. D'accord, Dieu fait beaucoup dans la vie de tout un chacun, car la Bible déclare qu'il fait toutes choses bonnes en son temps. Et en son temps, voilà Guy Roger qui est une preuve encore selon l'Éternel. Il est le premier chantre, je dirais, de l'Église catholique et il a inspiré beaucoup de chantres parmi tant d'autres hein, pour pouvoir chanter aussi et rendre gloire à la gloire de Dieu. Et toi aussi, chez toi, à la maison, au bureau, quel que soit l'endroit où tu te trouves, tu peux aussi rendre grâce au Seigneur. Et je vous invite aussi à ce concert du 20 mars qui sera un concert de délivrance, un concert de guérison intérieure, car beaucoup d'entre nous souffrent des blessures intérieures. Je reviens à Guy Roger encore. Ici, là, je vois un CD où vous parlez de Seigneur, mon âme est troublée. C'est un Maxime single. De six titres. Mm-hmm. D'accord. Seigneur, mon âme est troublée. Pourquoi Seigneur, mon âme est troublée? Et donc, donné que tu chantes tout le temps l'action des actions de grâce au Seigneur, c'est qu'il fait beaucoup de choses pour toi, mais pourquoi ton âme est troublée? Moi, je veux comprendre. D'abord, je rectifie quelque chose. Je ne suis pas le premier chanteur de l'Église catholique, comme on le dit. J'ai mes années qui sont là, je vais parler un peu de Marc Roland, Aimé Roland, des chantres comme Marie Cetano. Il y a beaucoup en fait, oui, je peux dire, je suis le petit frère d'ailleurs. Mais aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce de me faire connaître, donc je bénis son nom. Ce tampon, je suis allé à une veille de prière. Et avant que je ne passe, il y avait des gens qui étaient assez calmes. Quand les prédicateurs passaient, qui étaient tristes, il y a d'autres qui pleuraient, il y a d'autres qui se lamentaient. Et étant assis derrière, je me suis mis dans la peau de ces personnes. Je disais quoi? Hé Seigneur, regarde tes enfants qui souffrent. Peut-être que d'autres n'ont même pas encore eu à manger depuis matin. Pourtant d'autres en ont Jésus. Ils ne savent pas en faire. Il y a d'autres aujourd'hui qui cherchent que ne serait-ce que 100 francs pour se nourrir, mais il n'y en a pas. Il y a d'autres qui pleurent parce qu'ils n'ont pas de boulot.
Il y a d'autres qui se lamentent parce que le travail n'est pas stable. Comment faire pour s'occuper de la famille? Comment faire pour s'occuper des enfants? Comment faire pour s'occuper de lui-même d'abord? Donc, je me suis mis dans la peau de ces personnes. Et étant ainsi, j'ai demandé au Seigneur, Père, inspire-moi un chant qui va permettre aux gens de savoir que tu es le Dieu en qui nous avons mis notre confiance. Tu es le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Tu es le Dieu qui connaît le désir de tout et chacun. Et j'ai reçu ce chant. Au Seigneur, mon âme est troublée. Est-ce qu'on ne peut pas fredonner un peu? Seigneur, mon âme est troublée. Oh Seigneur, mon Dieu, mon âme est troublée. Oh Seigneur, mon Dieu, mon âme est troublée. Oh Seigneur, Seigneur mon Dieu, mon âme est troublée. Oh, je t'en supplie, viens à mon secours, mon esprit est troublé. Quand je regarde autour de moi, je ne vois personne, mon Dieu. Autour de moi, Père, je ne vois que la tristesse. Abandonné, je fais recours à toi, oh mon Dieu. Oh Père, je t'en supplie, viens à mon secours. Bien aimé pour ce chant qui m'a beaucoup touché quand j'étais au studio pour la réunion. Donc, je me suis mis dans la peau de tout et chacun pour faire sortir ce single, pour permettre aux gens de comprendre que, quelle que soit la circonstance, notre Dieu nous abandonne jamais. Vraiment, Dieu, il ne nous abandonne jamais. Parce qu'à vous entendre chanter déjà, on retrouve consolation et on voit nos lames sécher tout en écoutant Guy Roger. À ce concert, qu'est-ce que Guy Roger va donner à tous nos téléspectateurs qui vont suivre et à tous ceux qui vont prendre part à ce concert, à ce je ne sais pas comment giga dire. Concert, comme... Non, je dirais même pas giga concert. S'il y a un mot encore de plus grand que le giga, je vais le prendre ce mot-là. Tout est de la main de Dieu. C'est vrai que quand on le dit tous les jours que Dieu fait beaucoup pour nous. Moi, j'ai toujours fait des surprises pour mes fans qui viennent. Je ne dis pas au peuple de Dieu, je vous promets, ça peut arriver là-bas, c'est pas ça, non. Dieu m'inspire quand je suis saine pour pouvoir toucher le peuple de Dieu. D'ailleurs, le deuxième concert, je peux dire c'est la plus grande paroisse de Bourgogne, hein, parce que, à part Saint-Marc, c'est Saint-Mathieu. Mais aujourd'hui, ce deuxième concert a permis aux gens de connaître un peu, je vais dire plus même, qui est Guy Roger. C'est vrai, on me dit, on me connaît un peu, je ne fais pas trop de tapage, pourquoi non. Dieu sait ce que je fais. Et mes amis et mes frères qui sont avec moi savent ce que je fais. Il ne faut pas faire ce que toi tu veux, mais demande à Dieu de t'inspirer pour toucher la sensibilité de tout et chacun. C'est vrai que moi-même qui vous parle, je ne suis pas parfait, mais Dieu a sa main sur moi. Et quand il s'agit de vous pour lui, je sais à quel moment il m'inspire. Donc, je promets à mes femmes, celui ou celle qui a un problème, celui qui cherche un boulot, je ne te promets pas, mais viens à ce conseil. Celui qui cherche ou celle qui cherche un enfant, venez à ce conseil, je ne te promets pas. Mais le Dieu suprême qui connaît la pensée de tout et chacun, qui connaît le désir de tout et chacun, fera beaucoup pour toi. Ce qu'il a fait pour moi dans ma vie, il peut le faire aussi pour toi. Et moi, je vous dis amen très fort. Amen. Je suis... J'ai comme l'impression que je me retrouve à la basilique Saint-Pierre ou Saint-Pierre de Rome, à Lourdes, à Jérusalem. Enfin, dans une chapelle. Je suis entourée des grottes, des sanctuaires, des images. Et tout juste derrière moi, je vois une grande image de Jésus-Christ. C'est vrai, les chantres, ils sont beaucoup religieux. Mais on dirait que Guy Roger a dépassé tout ça. Amen, amen. Non, il faut dire que chacun a sa foi. Moi, depuis mon enfance, j'ai mis ma foi en Dieu. J'ai mis ma foi en la Vierge Marie parce qu'elle intercède beaucoup pour moi. C'est vrai que c'est pas parce que je suis chantre que je ne suis pas éprouvé. Mais j'arrive à surmonter cela parce que je me dis, mon Dieu que j'adore, que je prie,
et l'or et l'argent. Tout pouvoir lui a été donné sur terre comme au ciel. Et celui qui met sa confiance en lui n'a jamais été déçu. Donc, quelle que soit la circonstance, quel que soit le problème, une fois que je fléchis, je que je demande à mon Dieu, quel que soit le temps, comme on le dit, la promesse du mais finit toujours par s'accomplir. Donc mon Dieu m'a toujours donné ce que je veux. Donc je ne sais pas parce que j'ai mis ces images pour dire non, j'adore ces images. Non, j'adore mon Dieu. Et je venais à la Vierge Marie. Parce qu'elle fait beaucoup pour moi, ça faut le dire. Oui, parce que là je vois la Vierge Marie partout. Quand je suis rentrée, juste à ma gauche, j'ai pensé que j'étais au sanctuaire Maria. Mais malheureusement, je m'étais trompée. Et je rentre encore dans le salon pour la petite surprise. Et je vois partout dans la maison des images. Je vois le pape, je vois même une pendule avec le nom de Guy Roger. Waouh, ça c'est magnifique. Merci beaucoup. On va lancer un dernier appel pour tous ceux qui hésitent encore à prendre part à ce concert de délivrance, de témoignage et de libération. Amen. Eh bien, chers frères et sœurs, je vous salue dans le nom du Christ. Le Seigneur est bon pour tout et chacun. De la manière il œuvre pour moi, de la manière il opère des miracles pour tout et chacun, il peut le faire aussi pour toi. J'ai choisi ce jour pour qu'ensemble nous puissions entrer dans la nouvelle année avec le Père. Venez ensemble pour qu'on puisse dire merci au Seigneur, pour qu'on puisse lui exprimer notre reconnaissance, parce que le Dieu que nous prions n'est pas sourd à nos prières. Il n'est pas sourd à nos cris. Il entend bien le bien ce que nous disons, ce que nous pensons déjà, il connaît. Donc, mon Dieu que je prie, pour qui je veux célébrer le 20 mars, venez pour que Dieu aussi soit célébré à travers vous. Dieu vous aime et nous aime. Et il veut faire beaucoup de choses pour nous. Mettons la main dans la main ensemble pour que notre Dieu, que nous adorons tant, puisse briser ce qui est faible blocage de notre vie. Il aura comme orateur le Père Guillaume Saint. Il aura comme orateur le Père Jacques Apo. Il aura comme berger Arnaud Israël. Comme modérateur Cyril Levestre et le berger Vénance. Frères, sœurs, le Seigneur a beaucoup fait, mais il n'a pas encore fait. Viens ce 20 mars à Saint-Pierre, je dis bien à Saint-Pierre de Niangon, à 14h30, pour que le nom de Dieu soit encore une fois de plus béni. Merci pour tout ce que tu feras et que tu es en train de te préparer déjà. Que le Seigneur te bénisse là où tu es. Merci. Amen. Je rappelle que l'entrée est seulement à 1000 francs CFA. Oui. Ça, c'est donné. C'est vraiment un cadeau de la fête des rameaux. Et je souligne que habituellement, j'ai choisi le palais de la culture pour saisir le concert. Mais cette fois-ci, j'ai pris Saint-Pierre pour dire merci à tout le monde. C'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas de grand moyen en tant que tel, mais le Seigneur nous bénit. Et il nous donne toujours les moyens pour pouvoir vivre. Donc j'ai choisi cette paroisse pour qu'ensemble nous puissions œuvrer pour notre Dieu, dire merci à notre manière, à notre Créateur. Parce que Dieu que nous prions, il nous voit, il nous connaît mieux que nous. Donc frère, prends ton ticket pour que tu sois béni. Amen. Prends ton ticket aussi pour recevoir cette grâce que d'autres ont reçue à Sainte-Élisabeth, à Saint-Martin-de-Trois-Rouges. Et pour tout type d'événement, vous pouvez aussi inviter notre artiste, notre chantre de l'Éternel au 07 76 75 89. Au 07 76 75 89. Venez rapidement et prendre aussi vos tickets afin de recevoir cette grâce que vous attendez depuis tant d'années. Et toi aussi qui es malade intérieurement, physiquement, spirituellement, viens à ce concert recevoir aussi ta guérison, ta grâce et aussi ton témoignage. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme et que Dieu vous bénisse. Merci, c'est la cancelle et à vous tous.